ذل الرجال أولى والأمان في سرير كلنا للوطن لبران العالم كلنا للوطن. Chers frères André de la Lande, supérieur et communauté. De la Lande. Voilà, à ce moment-là, on est un cher majuscule. Et tu vas dire sur quoi j'allais travailler aujourd'hui avec Mouna, si vraiment elle avait été en forme, mais elle n'est pas en forme. Je travaille sur l'histoire des Maronites au Liban. Voilà le thème. Alors je fais le texte, puis ensuite je corrige ce que la dactylo n'a pas su taper. Le christianisme au Liban avant l'arrivée des Maronites. Alors vous allez dire, mais oui, mais il y a eu une présence des chrétiennes avant. Voilà, les Maronites. Et je fais des recherches, je vais là-dedans. Dans la chambre d'un religieux, on s'attend à trouver un crucifix, une vierge espagnole, là, une vierge de Saragosse. C'est la vierge des Espagnols, à laquelle j'attache une certaine importance. Mais là, c'est la vierge de notre père fondateur, le fondateur des Frères Maristes. J'appartiens à la congrégation des Frères Maristes, alors le fondateur aimait beaucoup cette image. J'ai terminé mes études ici, je ne les avais pas terminées en Europe. Je les ai terminés ici, à Jauny, au milieu des élèves, avec les élèves, en même temps que je travaillais déjà dans la communauté. Je me souviens très bien que j'avais un voisin qui venait de Cabellas, et qui est devenu docteur à Cabellas, avec lequel je suis resté en relation très longtemps. En classe de philosophie, on se donnait des leçons de passe-droit, c'était joli. Et puis alors, après, je suis devenu professeur pendant tout le temps, même pendant la guerre de 1941, où nous étions mobilisés, nous étions devenus des soldats, en principe. Mais j'avais obtenu du capitaine la permission de courir à Jauny pour continuer de donner des cours. Je viens de ce département de la Manche, qui est comme un doigt pointé vers l'Angleterre, là, au bout duquel il y a la ville de Cherbourg, qui est un très grand port maritime et un très grand port militaire. J'étais venu ici à l'âge de 16 ans en 1934. Ça fait que j'ai atteint la borne des 92. J'y ai occupé donc les 10-12 premières années que j'ai vécues avant de partir pour une maison que nous avions en Italie et qui préparait les jeunes missionnaires qui voulaient aller les uns au Liban, les autres au Brésil, les autres en Afrique du Sud. Et moi, j'ai eu la chance de venir au Liban, et j'ai trouvé ça très joli. Au Liban, c'est à côté de Turin. Nous avions une maison à côté de Turin, où après les lois de 1903 contre les religieux, qui avaient expulsé tous les religieux de France, les frères s'étaient retirés dans une maison pas trop loin de Turin. Et là, ils nous ont formé à cette mission qui devait être la nôtre ensuite pour venir jusqu'ici. Le maître d'école nous racontait des histoires qui nous chauffaient un petit peu l'imagination. Aussi, quand on m'en parlait de l'Orient, hein, l'Orient, je savais ce que c'était. J'ai deux de mes frères et puis une de mes sœurs qui vit toujours, qui a 87 ans et qui est heureuse de venir ici au Liban. Elle est venue plusieurs fois d'ailleurs au Liban. Le papa et la maman à l'âge de 14 ans. Ils avaient traversé toute la France pour venir me voir en Italie, puisque je faisais à ce moment-là ce qu'on appelle le travail de préparation à la vie des maristes. Il m'a fallu attendre 13 ans avant de retourner au pays à cause de la guerre de 1945. Alors,
Pendant 13 ans, bien sûr, il y avait la correspondance, mais une correspondance aléatoire. Il n'y avait pas les moyens que nous avons maintenant de communiquer. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas l'Internet. Et donc les lettres pouvaient mettre des mois avant d'arriver aux parents pour leur dire non, non, n'ayez pas peur, nous sommes dans un coin protégé. Il y a bien eu un petit moment de guerre entre les partisans de Gaulle, qu'on appelait la France libre, et puis les partisans de Pétain, qu'on appelait l'État français. Nous étions entre deux, nous n'avions pas d'opinion. J'ai été engagé au temps où Pétain était disons, le maître de la situation. Puis ensuite, quand De Gaulle a pris le pouvoir, ça ne nous a pas gênés. Nous étions absolument au service de la population. Nous n'avions rien à voir avec l'État français. Ça ne nous intéressait pas. Je me suis intéressé à la politique du pays au Liban, oui, un moment. Et puis, comme il y a tellement de partis à droite et à gauche et que nos élèves appartenaient à tous les partis, je me suis interdit d'intervenir dans la possibilité de manœuvre à l'intérieur des partis. Je n'ai jamais fait partie d'un mouvement politique. La personnalité, le devenir arabo-islamique. Je m'intéresse beaucoup à tout ce rapport que nous pouvons avoir, nous, entre les chrétiens et le monde musulman. J'ai d'ailleurs des livres encore plus récents. Je lis des livres, par exemple, de gens qui sont tout à fait opposés à l'Évangile. L'Évangile selon la science par Odi Freddy, c'est contre la religion chrétienne. Mais je lis ça avec intérêt pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en pense. Alors, les Maronites, regarde sur les Maronites. Un essai sur les Maronites qui a été composé au XVIIe siècle par Faust Maron de Banne. Banne, c'est un village ici. Il est très facile de montrer que ceux qui ont été élevés dans des milieux non religieux n'ont pas de religion. Et nous voyons d'abord que les enfants, ici, dans ces milieux chrétiens, au milieu desquels nous sommes, et d'une façon générale au Liban, chrétiens et musulmans, l'idée de Dieu est une idée première devant laquelle il n'y a pas d'hésitation. Ils sont tout étonnés de savoir qu'en Occident, on ne la connaisse plus, ou elle s'est laissée perdre. Et ils y mettent que c'est un fait d'éducation. Dès que vous parlez à un jeune, profondément, il s'accorde tout de suite à l'idée de la vocation religieuse. Dieu est là au milieu de nous, qu'il est présent au milieu de nous. La lecture des évangiles n'est pas un simple petit rapport de commissaire de police qui nous raconterait un événement, c'est quelque chose de très vivant par des témoins qui étaient là. L'idée est que Dieu était un être sévère avec lequel... Mais c'était une idée de l'imagination. Nous sommes tout à fait dans l'idée que Dieu est un père, comme le dit l'Évangile, quelqu'un avec lequel nous pouvons entretenir une communion d'amitié, une communion de filialité, avec lequel effectivement nous vivons tous les jours. Je me navigue à travers les enfants. Ils viennent prendre des livres ou bien ils offrent des relations des livres qu'ils ont eus à la fin de la semaine. C'est très bien. Voilà un bon professeur. Voilà, c'est sa fête aujourd'hui. C'est ma fête. Oui, c'est sa fête. Je suis moi, et les enfants trouvent que je suis bien d'être moi. Vous savez, on a reçu des dons et on dit au bon Dieu, c'est vous qui m'avez fait comme ça, c'est pas moi, hein, c'est de votre faute. Tout ce qui est préparation de l'église, préparation de la messe, tout ça, c'est moi qui m'en charge. Et aussi les fleurs, on m'apporte des fleurs, c'est Monsieur Matard qui m'apporte des fleurs très souvent. Alors je prends plaisir à les arranger.
Thank you.